C'est annoncé ce vendredi 27 avril par nos confrères de Closé. L'album posthume de Johnny Hallyday devrait sortir à la fin de l'année 2018. D'abord prévu pour le 15 juin, coïncidant avec son anniversaire, la sortie du dernier album enregistré par le rocker a finalement été repoussée au mois d'octobre. La faute aux démêlés judiciaires, les aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Sellers, demandaient un droit de regard sur cette pièce. La justice ne l'a pas entendu de cette oreille. Laetitia, veuve et directrice artistique de Johnny, reste seule maître à bord. La décision aura retardé la sortie de cet album pour les deux titres, ont été enregistrés par Antonio, trois jolies ballades et le reste du rock'n'roll extrême. Mospi a détaillé Pierre Lune, ami du chanteur, qui écoutait les maquettes en avant-première.